Eh bien, mes amis scorpions, bonjour. Je suis très très heureuse de vous faire votre roue astrologique de 2021 en tant que projection des énergies qui vont circuler dans votre signe. Pour ceux qui me découvrent, eh bien, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors, vous devez quand même être prudent avec un tirage sur du long terme dans la mesure où vos énergies ne sont pas les seules à circuler et qu'elles vont entrer en interaction avec d'autres signes. De ce fait, n'hésitez pas à aller consulter votre roue astrologique de votre signe ascendant, mais aussi de votre signe lunaire pour compléter ce tirage et surtout être en harmonie avec ce que vous vivez dans votre propre vie personnelle. Sachez aussi que 2021 semble être une année qui va changer grandement bon nombre de signes. Vous êtes les derniers signes à qui je tire cette roue astrologique. Et voilà, et je vois que vous êtes dans cette même énergie que la plupart des gens. On voit qu'il y a des changements qui sont certainement la résultante de ce que vous avez vécu en 2020 et que nous avons d'ailleurs tous vécu en 2020. Alors, dans la maison, la première maison qui est la maison du bélier, on va parler de votre apparence physique. Oh là, j'ai pas allumé la bougie, alors pardon, mais hors de question que je fasse votre lecture sans flamme. Voilà, c'est parti. Voilà. Donc, je disais, donc dans la maison du bélier, c'est la maison qui est relative à votre aspect physique, à la façon dont vous vous présentez pour vous-même et à la façon dont vous vous présentez pour les autres. On a quand même la page de bâton. Vous avez probablement envie de revivre une forme de seconde jeunesse physiquement, quitte à paraître immature ou distrayant ou distrait. Il y a un besoin de faire quelque chose de nouveau de votre corps. Ça peut être changer de coupe de couleur, de changer de coupe de cheveux, de couleur, de fringues, de voilà. Vous allez avoir envie probablement de changer de look. Moi, j'ai l'impression que c'est comme ça que ça se traduit dans votre corps. Dans la maison du taureau, qui est la maison de l'aspect financier, des ressources, du matériel et de tous ces objets qui vous sont précieux dans votre vie, nous avons la 10 de coupe inversée. Là, c'est pareil, il y a une espèce de relâchement par rapport à ce qui faisait votre complétude de vie émotionnelle. Comme si vous allez vous rendre compte que d'un point de vue du matériel, c'était pas si important ce que vous aviez avant. Même si vous aviez absolument tout, il est peut-être temps de changer quelque chose, de se séparer de certains aspects matériels, de se séparer de certaines valeurs de vie, comme si le bonheur n'était pas dans le chandelier qu'on a récupéré de la grand-mère, ou dans le meuble que l'on a acheté dans un magasin très très populaire. Là voilà, vous allez changer littéralement vos valeurs de vie qui va de toute façon et passer par votre changement physique, mais aussi passer par un changement de votre cadre matériel, et comme si l'aspect financier allait passer probablement au second plan. Donc je sens une régénération dès le début de cette année 2021 pour vous, mes amis scorpions. Dans la maison du Gémeaux, la maison du Gémeaux, c'est tout ce qui concerne le savoir, l'intellect, les apprentissages divers et variés, mais c'est aussi l'intercommunication de ces savoirs, les échanges. Ici, on a littéralement la justice. Alors la justice, c'est quand même une arcane majeure qui veut dire que quelque part, de vos apprentissages, de votre savoir et de votre intellect, vous allez en faire une vérité commune à tout le monde. Votre vérité, votre connaissance va s'imposer comme telle, comme si vous n'allez pas pouvoir, vous allez trancher si vous voulez, vous allez regarder les choses avec objectivité, mais une fois que vos décisions seront prises, une fois que vos connaissances seront actées, vous n'allez pas en changer. Comme si vous allez tirer les conséquences de tous vos apprentissages de vie et en faire vraiment une loi universelle qui doit s'appliquer à tout le monde ou du moins tous ceux qui vous entourent.
Voilà, donc là, clairement, c'est on reste ancré sur ses positions en 2021. Dans la maison du cancer, qui va concerner le foyer. Le foyer, en ce sens que c'est les personnes qui vous sont chères, les êtres qui vous sont chers, là où vous vous sentez en sécurité, nous avons la 4 de coupe. La 4 de coupe traduit aussi une forme, je ne vais pas dire d'apathie, c'est pas ça, mais plutôt le sentiment que vous allez contempler votre environnement. Vous pourriez vous faire passer par comme quelqu'un qui pourrait être indifférent ou nostalgique, mais je n'ai pas le sentiment que c'est de la nostalgie à proprement parler, plutôt de la mélancolie, d'une forme de bonheur perdu au fond de vous. Ça ne veut pas dire que vous allez remettre en cause votre foyer, peut-être que certains oui, d'autres non, mais vous allez aller chercher cette petite pépite, cette petite paillette qui faisait que vous aviez une joie antérieurement parlant dans votre foyer, et il va falloir aller retrouver ce petit peps qui vous a beaucoup beaucoup manqué. Vous savez, comme quelqu'un qui a une forme de mélancolie et donc une nécessité de réévaluer les valeurs aussi qui sont présentes dans son foyer. Donc on voit bien qu'il y a quand même un bouleversement pour vous sur ce mois de, sur cette année 2021, sachant quand même qu'au niveau du foyer, ça ne devrait être que passager, voyez-vous. Là où c'est beaucoup plus majeur, c'est d'un point de vue corporel et d'un point de vue financier, où là on passe un cap, on vrille si vous voulez, on change. Dans le foyer, c'est voilà, on réajuste les sentiments, on réajuste la façon de voir la vie de famille, la vie de ses parents, ses oncles, ses tantes, ses cousins, que sais-je. Voyez, voilà. Peut-être que pour certains, vous allez avoir envie vraiment de vous ressourcer au sein du foyer et faire à nouveau une symbiose, faire la fête entre vous et retrouver ce qui est apparemment vital pour vous. On voit quand même que vous avez d'ailleurs beaucoup de coupes, hein, ici une, deux, trois coupes. Ce qui veut dire quand même que votre énergie d'eau a besoin de se manifester et de se montrer. Dans la maison du lion, qui est la maison des hobbies, de la fête, de l'organisation festive, des petits projets de toutes sortes, des enfants également, nous avons la 9 de coupe. Donc clairement, vous allez avoir envie de faire la fête sur cette année 2021. La 9 de coupe traduit le plaisir, elle traduit l'abondance, la satisfaction, c'est, voyez ça, il pleut des paillettes d'amour, des paillettes de coupe. Donc ici, on est vraiment dans la joie, dans la réalisation, dans des achèvements, de profiter de la vie, voyez. Donc clairement, vous, quand vous serez dans la maison du lion, quand votre signe y passera, ce sera effectivement pour vous blinder, pour vous enrichir de festivités, de rire, de sourire, de joie. Et quels que soient les projets que vous allez entamer, vous allez les faire avec énormément de plaisir. Dans la maison de la Vierge, et c'est là que ça blesse, alors vous n'êtes pas les seuls, beaucoup, beaucoup de signes comme les vôtres ont une carte assez défaillante dans la maison de la Vierge, puisque cette maison traduit le sens des responsabilités, des us et coutumes que vous avez l'habitude d'avoir et de réaliser. C'est la routine, qu'il soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. C'est aussi tout ce qui concerne la santé. Et donc, normalement, c'est censé être une carte conseil. Ici, on a quand même la 9 d'épée. Donc, clairement, on sent que vous en avez pris plein la carafe et que vous allez avoir du mal à prendre des responsabilités supplémentaires. Hein. Si on vous met, c'est comme si on vous en rajoute, je pense, que ce soit dans cette routine ou dans ces responsabilités diverses et variées, si on vous rajoute une goutte, ça risque d'exploser. La 9 d'épée, c'est pas une carte très agréable, c'est une carte assez négative où on s'isole, où on est désespéré, parfois un peu de dépression, parfois on voit le mal partout. Mais ça, c'est parce que littéralement vous en avez trop eu. Et c'est pour ça, c'est parce que vous en avez eu trop dans le carafon, hein, si j'ose dire, à supporter des choses qui ont été difficiles, que vous changez littéralement de peau et que vous réajustez vos valeurs. Donc si on vous en rajoute, ça va juste juste vous faire exploser. Donc n'hésitez pas effectivement dans ces conditions à vous rapprocher de la maison du lion qui elle est particulièrement positive pour vous, pour dire que chaque fois qu'il y a des difficultés à venir, ben, ou d'en parler, ou d'aller chercher l'amour où il est, ou de faire la fête, ou de vous réunir auprès de vos proches. Je pense que c'est ça qui va vous être salutaire
Et on verra de toute façon tout à l'heure sur Vimeo avec l'approfondissement ce que cette carte veut dire. Dans la maison de la balance, là, la maison de la balance, on va parler soit de votre couple, hein, les relations très intimistes, soit les relations intimistes dans le travail, les associations. Là, on parle vraiment de la relation très très intime, hein, d'accord? On est dans la joaillerie de la relation, on est avec la 3 de bâton. Vous allez avoir dans cette relation intimiste, hein, celle qui résonne en vous, le confident ou la confidente qui soit la bonne personne, qui vous donne l'autorisation et la permission de voir au loin et d'entreprendre de nouveaux projets. Ça peut être un voyage, quel qu'il soit, enfin bref, on va vers une expansion, une progression de sa situation. On s'organise avec cet autre pour dire d'avancer dans une direction qui vous soit favorable et qui soit favorable à cet autre. Donc moi, j'ai vraiment l'impression que au niveau de la relation très très intime, ça va très très bien se passer. Et je pense même que chaque fois que vous allez faire la fête, ça va être autant d'avancer pour vous vers quelque chose qui soit moins dans la tristesse ou moins dans la nostalgie ou la mélancolie. Alors dans votre maison, la maison du scorpion, donc c'est la maison des difficultés, qu'elle soit de santé, qu'elle soit familiale, c'est tout ce qu'on aime, les vicissitudes hein, de toutes sortes, tous les petits problèmes qu'on a tous et qui sont plus ou moins importants. On a la carte de l'ermite, encore une arcane majeure, donc là clairement quand vous allez être dans votre maison, ça va être pour vous mettre en introspection, pour apprendre, apprendre pour grandir. On sent vraiment que vous allez vaciller entre, sur cette année, entre l'envie de faire la fête et l'envie d'apprendre en vous mettant en retrait. Chaque fois que vous allez faire quelque chose de nouveau, c'est de la justice que vous vous rendrez à vous-même. C'est aussi ce sentiment que vous allez pouvoir vous guider vous-même par rapport à vos apprentissages, qu'ils soient intellectuels, comme que s'ils sont festifs et amicaux, si vous voulez. Donc là, clairement, quand il y aura des difficultés diverses et variées, vous allez vous renfermez sur vous-même volontairement pour aller chercher des réponses qui sont en vous. Vous n'allez accuser personne, hein. Clairement, moi je ne vous vois vous battre avec personne. Dans la maison du Sagittaire, qui est la maison de la spiritualité, des croyances et aussi de la philosophie. Donc là, c'est une élévation de l'âme. On n'est pas comme dans la connaissance du Gémeaux qui lui est plus cartésien. Le Sagittaire va être, c'est l'intellect, mais l'intellect philosophique. On a la maison de la tour. Clairement, vous allez avoir des révélations, des élévations spirituelles, mais vous n'êtes pas les seuls signes à avoir cette élévation spirituelle sur 2021, mais c'est quelque chose qui va soit vous faire sortir d'un traumatisme, soit ça va être un peu chaotique dans votre tête, parce que ça va vous apparaître comme ça, en vous disant, mais oui, bien sûr, comment se fait-il que je n'y ai pas pensé plus tôt? Donc, vous allez quitter, mais littéralement, un mécanisme de fonctionnement, de croyance qui était probablement basé sur des fondations qui n'étaient pas solides, qui étaient effritées, qui s'étiolaient, pour aller chercher quelque chose d'autre, de meilleur. Vous n'avez pas d'autre choix que de quitter ces croyances parce que si vous ne les quittez pas, c'est la dépression assurée. Ça, c'est revenir, si vous voulez, sous le poids de responsabilité que vous n'avez pas apporté. Vous devez vous élever, vous, pour vous-même, non pas pour les autres, non pas toujours à donner pour dire, en espérant que vous allez recevoir un retour. Là, clairement, c'est le chaos. Et comme c'est à côté de votre maison d'ermite, j'ai vraiment le sentiment que toutes les difficultés, vous allez littéralement les faire sauter les unes après les autres, après de la réflexion, cette réflexion qui va vous venir de la maison du Gémeaux avec cet intellect puissant, et vous allez en faire votre justice à vous-même, mais c'est une justice commune aux autres, et vous n'allez plus en démordre, vraiment. Alors dans la maison du Capricorne, c'est très intéressant. La maison du Capricorne, c'est ce qui relève du travail, c'est ce qui relève de votre place dans la société, hein, c'est le business, hein, on ne va pas se mentir. Eh bien, on a la page de coupe. La page de coupe me dit qu'en fait, vous allez retrouver une âme d'adolescent. Cette âme d'adolescent que vous retrouvez d'ailleurs physiquement, hein, voyez, vous changez de peau. Cette âme d'adolescent va vous ouvrir les portes de nombreuses possibilités. Alors, peut-être que c'est grâce à un intellect, peut-être que vous avez fait des études, une formation qui vous a permis de vous élever.
Et cette élévation va être de toute façon brutale, puisque vous allez littéralement changer de situation intellectuelle, en ce sens que vous quittez des croyances pour d'autres choses, d'autres croyances, d'autres vérités. Et là, c'est quelque chose qui vous ouvre le cœur, qui vous donne des papillons dans le ventre, qui vous fait ouvrir vos bras en grand, parce que là, vous revenez à votre émotion d'eau, mais j'ai l'impression que c'est la réalisation de ses rêves. Cette page de couple-là, c'est les messages qui vous viennent éventuellement de l'extérieur qui vous sont favorables. Vous êtes comme ce poisson ici, vous voyez, qui vole dans les airs. Donc, il y a beaucoup de curiosité, beaucoup de possibilités. C'est l'enfant qui va se réveiller en vous. Donc là, vraiment, vous allez aller vers cette complétude de travail qui sera de toute façon une réussite pour vous, avec un champ de possibilités qui est apparemment sans limite. Sans limite, du moins pour vous. Alors, dans la maison du Verseau, qui est la maison de la communauté et des échanges communautaires, donc on n'est pas du tout dans la maison du Gémeau. La maison du Gémeau, c'est vraiment l'intellect et le savoir. Ici, c'est les échanges avec les autres et ce qu'on laisse aux autres. On a la 5 de Pentacle. C'est pas une année où vous allez faire de grandes ouvertures d'esprit sur le monde. Moi, je vois plutôt une année d'introspection, une année de recentrage sur soi et sur les valeurs qui sont importantes pour vous. La 5 de Pentacle va plutôt me parler de blocage. Donc, de blocage, peut-être même de colère, d'adversité aussi, probablement. Il y a quelque chose qui bloque, peut-être même qu'on va essayer de vous limiter. Et ça, ça veut dire littéralement que quand on a un environnement autour de soi qui n'est pas très porteur, qui ne voit pas loin, qui a tendance à se limiter ou à critiquer, et bien naturellement, vous allez peut-être tourner le dos. À moins que vous appeliez aussi de l'aide envers d'autres personnes, on verra comment ça se traduit avec l'approfondissement. Mais quelque part dans la relation avec la communauté, j'ai plutôt l'impression que vous avez besoin plus de recevoir sur 2021 plutôt que de donner. Peut-être que vous avez tellement donné, on voit, vous avez tellement donné que vous n'êtes plus trop à donner gratuitement. Pour moi, je mets ces deux cartes-là ensemble. Les responsabilités trop lourdes pourraient vous faire exploser. Et effectivement, dans la communauté, la société, si on vous en demande trop, si on vous demande trop d'aide, ça va queuter parce que vous savez que votre mental ne tiendra pas. Donc, vous avez besoin, effectivement, de vous recentrer sur vous-même. Enfin, dans la maison des poissons. La maison du poisson, c'est tous les petits secrets, ce que l'on garde pour soi, ce que l'on n'a pas envie de divulguer. Eh bien, nous avons le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un d'assez tempétueux. C'est quelqu'un qui est très focus, très concentré sur ses idées, qui est très perfectionniste, qui est très intellectuel. C'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, mais qui n'a pas peur. Donc j'ai envie de vous dire qu'il n'y aura pas de secret pour vous sur cette année 2021. Il n'y aura pas de difficultés, de choses particulières qu'on a envie de mettre sous le tapis. C'est plutôt, je vois plutôt quelque chose d'ambitieux, plutôt quelque chose où vous vous dites que toutes les difficultés qui seront sous le tapis, vous allez balayer. En fait, vous allez balayer votre tapis de maison, si j'ose dire. Vous allez faire le ménage. Moi, je vois bien ça, faire le ménage. Et même au-delà, puisqu'il y a une forme de... Vous allez faire le ménage, en fait, si vous voulez, ça va être direct, ça va être sans détour. Donc tout ce qui était sous le tapis et qui était un peu lourd et qu'on avait un peu honte et blindé de culpabilité par exemple, et bien là ça va être dégagé, vous allez rendre à qui de droit ce qui lui appartient et vous allez aller vers votre perfection à vous, celle qui va vous permettre de vous envoler et de pouvoir dépasser certaines frontières. Comme si vous alliez aller un peu en guerre quand même, en guerre contre tous ces secrets que vous avez en vous et qui vous pèsent. Allez, mes amis scorpions, si jamais ce tirage résonne en vous déjà, je vous invite à me suivre sur Vimeo après que j'ai recouvert, bien sûr, l'entier jeu avec le tarot des 78 portes. Si ça vous parle, donc si vous voulez me rejoindre, vous cliquez sur le lien qui se trouve en bas de votre vidéo, dans le descriptif, et vous êtes renvoyé directement sur la chaîne Vimeo et notamment sur ce tirage, et il vous suffit de cliquer sur la location, sachant que les prix sont dérisoires et il n'y a pas d'engagement, bien évidemment. Voilà, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Regardez, à la coupe, on a la carte de l'espoir, on a la cavalier de bâton. On voit vraiment que vous avez besoin de retrouver une certaine aura, une certaine vision lointaine,
l'envie de refaire des projets hein, pour mes amis scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette page de bâton inversé? On a la 10 de coupe. Vous voyez, la 10 de coupe, elle est inversée ici et là, elle est à l'endroit. C'est très bien. Dans la maison du taureau, elle saute déjà. On a la 10 d'épée. Oh là là, vous voyez, ça fait deux cartes que vous avez déjà dans votre tirage de 2021. Donc, le fait que les cartes ressortent, il y a effectivement quelque chose où on parle de nouveaux stades, de nouvelles fins. Ouais, forcément, je comprends un peu mieux votre tirage. Allez, dans la maison du taureau, c'est tombé. Dans la maison du gémeau, c'est déjà tombé. On a la 8 de bâton. Dans la maison du Verseau, nous avons... De la maison du Verseau. La maison du Cancer, nous avons la Reine de Deniers. Dans la maison du Lion, qu'est-ce qu'on a? Il y en a deux. Je vous les mets. Je vous les mets parce qu'on a l'impératrice et on a les étoiles qui est ce que vous aviez en dos de deck, deux arcanes majeures. Dans la maison de la Vierge où on a la 9 de bâton, la 9 d'épée, en fait non, là vous avez la 9 d'épée, là vous avez la 10 d'épée, c'est la suite logique, hein. C'est l'aspect financier peut-être qui vous chagrine. Mais vous êtes nombreux, hein, comme ça, rassurez-vous, il y a beaucoup de signes qui ont ces cartes-là pour 2021. Sauf quelques rares cas, bien évidemment. Allez, la maison de la Vierge pour mes amis scorpions, elle est là, elle sort. On a la 6 de coupe. Dans la maison de la Balance, nous avons, sur cette magnifique 3 de coupe, elle a déjà sauté, nous avons le Diable. Ouh, jolie carte! Dans la maison du scorpion, dans votre maison, on a la 9 de bâton. Moi, je trouve ça très bien. Vous allez être très courageux hein, sur 2021. Dans la maison de la Sagittaire, nous avons... Elle a bien sauté. Nous avons la 7 d'épée. Dans la maison du Capricorne, nous avons la Papesse. Dans la maison... du Verseau, nous avons encore une 7 de bâton, bah dis donc. Et dans la maison du Poisson, oh, regardez, comme vous terminez bien 2021, nous avons la carte du Monde. Voilà, voilà, donc une carte conseil avec l'oracle de l'archange Gabriel également que je vais vous lire sur Vimeo. D'ailleurs, regardez en dos de deck, c'est l'archange Gabriel qui vous apparaît. C'est dire qu'il y a quand même une protection au-dessus de votre tête pour 2021. Allez, une carte pour mes amis scorpions. Il y en a deux là. Je n'en veux qu'une, elle saute ici. Nous avons la guérison cristalline. Alors, je vais vous lire cette petite phrase et puis le reste, je vous le dirai sur Vimeo. Votre âme a besoin de l'énergie des cristaux pour ressentir l'énergie universelle vibrer en elle. Vous êtes sur le point de trouver une pierre qui vous apportera la sagesse divine et vous entrerez dans une nouvelle phase de votre existence. Soyez attentifs. Tout un programme, mes amis scorpions. Voilà, donc, eh bien, écoutez, pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et bien évidemment à vous abonner. Vous avez votre tirage général du mois de décembre qui est encore d'actualité, votre tirage sentimental également, et puis bientôt votre tirage général et sentimental de ce mois de janvier qui arrive à grands pas. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.